Une fois que vous avez acheté et téléchargé Ethnoworld 6, alors aussi bien au niveau instrument et voices, hein, vous pouvez acheter séparément l'un ou l'autre ou la complète avec les deux, c'est ce que je vous conseille bien entendu. Donc pour après ajouter la librairie dans Contact 5, c'est tout simple, hein, vous faites Add Library, vous allez dans votre dossier ici et vous faites Ouvrir. Alors je ne vais pas le faire comme je l'ai déjà fait, mais c'est vraiment tout simple.
Avant de vraiment débuter, quelques petites choses assez importantes. Vous voyez qu'en bas à gauche ici, eh bien, j'ai des informations sur l'instrument que je peux afficher ici. Alors, pour voir ce panneau-là, hein, qui peut être très informatif, notamment au niveau du nombre de samples chargés, du type d'instrument, de la librairie, eh bien, pour faire apparaître cela, il faut activer cette icône ici et info. Vous voyez, si je le décoche, je n'ai plus cette fenêtre d'information. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui s'impose aussi à connaître, c'est que quand on veut faire un réglage fin, par exemple ici, mon volume, vous voyez, je peux pas. Donc là, si vous voulez, pareil, c'est lu au tempo du séquenceur, si j'accélère. Ça fonctionne un peu comme le TM5, sauf que comme c'est des percussions, si vous voulez, contact découpe les phrases, les samples, en petites parties, slicées, découpées, et il ajuste ça au tempo de votre séquenceur. Alors, nous verrons après chaque spécificité, mais ici, on aura le bouton Speed qui détermine la longueur, voyez, découpée en quarts. Enfin, nous retrouvons des instruments. Également avec certains instruments qui ne sont pas percussifs et en mode quai, eh bien, on va avoir le legato mode. On va pouvoir activer ce mode et on retrouvera, on verra tout à l'heure dans le mode performance, plusieurs réglages par rapport au legato. Sans legato. Hein, je rappelle, le legato consiste, si vous voulez, à jouer un groupe de notes, mais lié. On n'aura pas l'attaque à chaque fois de chaque note. Donc c'est une technique très souvent utilisée. Nous aurons aussi la possibilité, dans cette fenêtre Quick Edit, eh bien, de régler le volume de l'instrument, qui par défaut est à moins 6 dB, ça c'est plutôt bien parce que ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle du headroom. Et on a également le panoramique, gauche et droite. Nous retrouvons également un paramètre d'attaque en millisecondes, donc pour une attaque franche ou une attaque retardée. On a également le release, le relâchement. Passons maintenant sur l'onglet Effect qui nous propose différents effets, un compresseur, un saturator, un EQ, un delay, un chorus et un phaser. Donc vous voyez qu'on sélectionne les effets ici pour avoir accès au réglage et attention, il faut activer les effets. Avec le compresseur, ben, tout simplement, on va pouvoir agir sur la dynamique des sons. Donc, sur on va réduire les pics des instruments et pouvoir, comme ceci, augmenter le niveau général de l'instrument. Donc, on a un seuil, un threshold, un ratio, on a le temps d'attaque. Donc du compresseur, hein. Le temps de relâchement, le release, et enfin l'output, parce que quand on réduit la dynamique, quand on compresse, après on va devoir. Passons maintenant dans l'onglet Group Edit, nous allons par exemple pouvoir ajuster le volume, mais aussi le tuning, les filtres, enveloppes de chaque groupe.
pour le volume, on le retrouve ici. Donc vous l'aurez compris, hein, dans la fenêtre Quick Edit, on a des paramètres rapidement réglables, mais qui sont en corrélation avec les différents onglets. Là, je suis à moins 9.7. Eh bien, parce que là, je suis à moins 9.7. Si je me mets à moins 3.5, je suis à moins 3.5. La vélocité, de la même façon. Si je joue doucement, ou si je joue plus fort. Et conjointement au volume, on a son enveloppe de type ADSR pour Attack, Decay, Sustain. Avec, voyez, en TM, en Time Machine. Donc on peut passer au preset suivant. Where are you?